Salut temps fort de Twitch, salut YouTube aussi, vu que ce n'est pas interdit de mettre ce genre d'émission sur YouTube, je réajuste ma caméra, pas de problème, voilà. Non, la caméra, j'aurais pas dû faire ça. Aujourd'hui, nouvelle react sur N'oubliez pas les paroles YouTube. Après moult, je vais y arriver, point info, voilà, ça y est. Nous reprenons les affaires, alors nous allons un petit peu laisser le jeu vidéo de côté. Nous allons devenir une chaîne de React sombre. Ça va être Zelda React, voilà, c'est ça. Merde. Ça va être Zelda React. Parfait. Donc ce sera N'oubliez pas les paroles, on avait déjà fait une session la dernière fois. Donc là, on va regarder d'autres émissions de la nouvelle version, hein. Enfin la nouvelle version entre guillemets depuis plusieurs années. On a comparé les deux versions qui existaient à la dernière émission, on a regardé la version à 100 000 et la version nouvelle. Et on préfère la version nouvelle parce que bah c'est plus rapide, c'est plus dynamique, on voit plus de choses, on doit pas répéter trois fois les mêmes chansons, même si on risque de tomber plus souvent sur des chansons récentes vu que c'est 2015 versus 2009. C'est parti. Ah, tu vas voir à quoi ça ressemble Café Inéco, tu vas être heureux. Alors n'hésite pas à me dire si le son il est bon hein, chez vous. Surtout quand ils vont parler, hein. C'est surtout ce que je veux voir. Pouilili ! Ah oui, j'ai... Paul ! Voilà, j'ai retrouvé ça. Donc Nagi, c'est le fat cocatou de service, si jamais. Même si Lady a dit que c'était pas un fat cocatou. 151 000 balles ! Salut Mojo. Ouais, quand même. Mais alors, une personne, un petit bout de chou comme ça, comme une minute. Mais là, vous gagnez 20 000, 171 000, vous êtes devant Dominique. Je m'accroche. Vous avez peur de quoi? Ah, on a trouvé une maestro qui est là depuis longtemps, c'est parfait. J'espère qu'elle a une voix qui défonce. Hein. Ouais, peut-être moins de sous-titres d'ailleurs, c'est vrai. Ah, il n'y a pas de sous-titres! C'est honteux. Donc on commence déjà par... Ah, je comprends pourquoi elle a 151 000 balles d'un coup. Très compliqué, j'aime tout ça. Sur la route de Lucide, pour une 22e potentielle victoire, il y a Monsieur Pascal. Pascal le grand frère. Oh, c'est Sex Bomb. J'ai reconnu direct. Let's go. Le son est un peu bon. Merci, Lady. Bon, le son est au maximum dans mes oreilles, là. Le son est au max dans mes oreilles, je peux pas faire plus fort que ça. Mais je peux faire plus fort pour vous, par contre. Je vous l'ai dit qu'il a des mimiques comme moi. Un peu plus fort pour nous. Un peu plus fort pour vous. Comme ça? Ouais, c'est ça, parce qu'il faut que je parle par-dessus quand même, hein, tu sais. On va continuer, mais après, bienvenue, Pascal. Parce que sur la VD de l'autre, c'est vrai que ma voix est un peu égale, finalement. Encore ? Oh punaise, oui, embrassez-la, sinon vous allez la casser. Ça fait déjà deux fois que c'est arrivé, monsieur Nagui, vous avez les doigts fragiles, hein. Moi, j'avais des femmes tendres qui venaient dans cette émission. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Pascal ? Sex bombe. Ah, merci. Non, non, je parle de la chanson. Ah, pardon. Mec, il fait quelqu'un sexuel. Ça va pas le dire avec un clin d'œil. Ben non. La chanson. Bah en fait, je suis chanteur, crooner. Chanteur crooner. Oui. Chanteur séducteur. Oui, oui, on peut dire ça. Genre Julio. Chanteur de charme. Vous les femmes. Vous les femmes. Ah d'accord. Je pensais que tu parlais de ça, mais c'est pas grave. Vous parliez de la spirale de qui, les dinosaures? Michael Bublé, par exemple. Ouais, c'est vrai. Super crooner. Danny Briand en français. Danny Briand, bien sûr. Toi, ta spirale. Vous gagnez 20 000 euros, qu'en faites-vous? 20 000 euros, je suis dans ma 10e année de mariage avec ma chérie. Très bien. Donc on sera un petit voyage. Félicitations. Pour fêter les 10 ans de mariage. Pour fêter les 10 ans de mariage. Et elle s'appelle comment? Pascal aussi. Pascal et Pascal. Non, ouais. Non, c'est sûr. Mais vous, entre vous, vous appelez pas Pascal et Pascal, j'imagine. Si, ça nous arrive quand on est énervé. Sinon, c'est chérie. Enfin, on met des petites fleurs autour. Mais quand on s'appelle par les prénoms, c'est plutôt mauvais. Ah, vu la lumière, on aurait dit un film d'horreur, là. Horror film, hein. Pascal, The Horror Film, là. Il a toujours les chaussures de Sonic, ça ne change pas. Tous ensemble, 30 points, Laurent Voulzy, 40 points, les années 60, 50, bande originale, tiens, j'adore.
et après la même chanson. Lucille, vous êtes maestro, vous commencez ou pas? Oui, je vais commencer Nagui avec bande originale pour 50. Waouh, bravo. Très bonne émission de radio. Soit chanson sur ma drôle de vie, la bande originale. Ah oui. J'étais heureux pendant une fraction de seconde. Elles sont dans un taxi. Ses yeux sont effrayés. À qui? Ah, dommage. À tout le monde. Je peux changer les couleurs, hein. Sans payer le taxi. C'est extrêmement drôle et c'est un très beau film. On se retrouvera, c'était dans le passage. Ah oui. Ah, là ça va, on est sur des chansons avant 2000. On est bien. On est solide. Géraldine Nakache et Léla Becti de l'autre. Qu'est-ce que vous faites? Je vais prendre On se retrouvera. Très bien, le passage. 1986, la sortie de Zelda. Bien sûr. Notre, votre maestro. Donc, au plus il y a de points, au plus il y a de mots à trouver, mais au plus il y a de points qui sont donnés si elle trouve. Et à la fin, celui qui a le plus de points, il passe en finale pour gagner des sous. D'être plus fort que jamais. Je serai toujours dans ta vie. Alors par contre je la connais mais je sais pas la chanter. Je te promets. Ça va jamais dans ma karaoké. Si la mort me programme sur son grand ordinateur, de ne pas en faire un drame, de ne pas en avoir peur. C'est vrai que les yeux font peur. Comment je t'aime. Pense à moi comme je t'aime. C'est très gentil de mettre des paroles qui manquent dans, en plein refrain. Et puis, pour une maestro à 150 000 balles, elle chante bien. Pense à moi comme moi je non t'aime, plus. Rien non ne plus. Nous séparera, même pas les chrysanthèmes. Je bloque ces paroles. Ah, oh, ça devient violet quand et c'est bon. Points, donc, sur le compteur de Lucille, 50, Pascal, 10, 20, 30... Finalement, aucune géomètre sert à R. Pascal qui se cache derrière toutes ces chansons, ou pas? Ouais, quand même, oui, oui, quand même. Mais je pense que lui, il peut avoir une voix qui défonce plus vu sa présentation. Après, la présentation, c'est une chanson qui est répétée, qui est étudiée. Hein. Pour voir ce qu'il donne sur une chanson improvisée. C'est un petit peu comme moi. Hein. Oh là là, je connais les deux. En même temps, c'est années 60, c'est certain que je connais les deux. Mais voilà. On a de la chance, on tombe sur des belles aujourd'hui. Je vais quand même prendre Sylvie Vartan. Ok, ça va être coton, je vais quand même prendre Sylvie Vartan. Ah, j'ai chanté avec elle il n'y a pas longtemps en plus. C'est vrai? Oui, oui. Mais quelle chance, à quelle occasion? C'était au lancement des illuminations de Strasbourg. Elle est adorable, adorable. Ça, je vous confirme. Ouais, ouais. Je vous confirme. Et un sens de l'humour aiguisé oui, aussi. Oui, c'est vrai. C'est la plus belle pour aller danser, la plus belle, ça va être Pascal. Surtout si il ou elle trouve cette... Les dinosaures, ils commencent à vieillir, mon papier. Pour aller danser, oui Magali, danser, oui Magali, pour mieux danser toutes ces femmes que tu as aimées, aimées. Ce soir je serai la plus tendre quand tu me diras, oh, diras tous les mots que je veux entendre murmurés par toi, oh, par toi. Je fonds de l'espoir. Voilà, il y a l'aide casual hein, quand même si vous perdez trop. Dans la nuit. Pas vous, pas votre âge. Non, 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 non. Non, 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 non. Oui, bien sûr, monsieur, je fais la. Voilà, donc finalement, Sex Bomb, c'était un truc répété et révisé. On est bien d'accord. Quand la nuit se montrera, s'éveillera, et il y a quelque chose après. J'ai un trou aussi, moi. Enfin. Ouais, bah oui, vous avez un trou. Oh, vous avez un trou, quoi. Est-ce que quelqu'un.
Est-ce que quelqu'un a une idée ou pas? Quand la nuit... Ok, bon, on est totalement dans la nuit. Alors, quand la nuit... Refermé. Ah, c'est refermé. Bah ouais, écoutez, hein, c'est pas grave. Ok, on n'oublie pas de points supplémentaires. Ah, on oublie, hein, on oublie, c'était bien. Plus il, plus 10, plus 20 ou plus 30, que voulez-vous? Laurent Voulzy pour 30. Le voici. Le pouvoir des fleurs, c'était ça. Changer tout ça, changer le monde, changer les choses avec... Bouquet de roses. Ou Belle Île en mer. Belle Île en mer, Marie-Galante. Mais en fait, c'est tout dès que j'ai déjà entendu, mais que je saurais pas trouver les paroles. De toute façon, je ne participe pas. Bateau ou fleurs, ça va. Que voulez-vous? Bateau. Bateau. Mais c'est pour vous dire que le répertoire que les candidats doivent connaître doit vraiment est vraiment large, quoi. Laurent Voulzy, 4 mots manquants, vous le voyez, et les points supplémentaires qui lui permettraient d'avoir une avance conséquente avec 80 points, mais oui. Elle n'y est pas encore. Elle a 50 points, elle chante pour 30 points, c'est Lucie. Oui, 30 points. Oh, avec les couleurs jaune et bleu, je devrais être ravi, hein. C'est mes couleurs préf. Elle aussi, elle est pas mal, Lady, en termes de paroles que tu comprends. R. Voilà. Voilà. En France! Ah bah oui, la foule sentimentale n'a pas été la première chanson incompréhensible. Hein. Je découvre. Hein. J'aurais clairement préféré le truc des fleurs. Hein. C'est l'eau qui vous sépare et vous laisse à part. Corsaire sur terre. En même temps, elle est pas dure à chanter. L'amour, je le voyais passer. L'amour, léger. Corné. Enfin, l'amour, vous pouvez y passer, vous le bloquez ou vous bloquez les paroles, que faites-vous? Je bloque ses paroles. Je pense que Lady, c'est parmi de la chanson. Est... Bon, bravo. Ah, j'aurais jamais trouvé. Hein. C'est dingue. Vous connaissez des chansons de tous les répertoires, de toutes les années, de toutes les générations, sans... C'est dingue. Sans rien. À croire qu'il y aurait une oreillette. Il y a 2 jours... Non, c'est vrai que c'était très déprimant, Lazy. Mais la suivante sera mieux, t'inquiète. Ah bah oui, capacité dingue en termes de mémoire. Et on fera un prime justement sur la mémoire mardi prochain avec Michel Simès. Il faudra que vous amusiez aussi à voir si vous arrivez à évaluer aussi votre mémoire ou à, du moins à comparer. Ça sera sympathique. Un prime sur la mémoire. Attends, il a fait le test du docteur Kawashima. Sur ce qui se passe dans le crâne. Et on peut tous travailler la mémoire. Le crâne. Mais vous, la vôtre, elle est impressionnante. Le crâne. Là, moi, je dis respect. Pascal, elle a 80 points, faut rien lâcher, 10 ou 20 points, faut pas rester Fanny, hein, Pascal. Un crooner, normalement, il prendrait avec le mot femme. Ouais, on fait ça? Ouais, on va faire ça. Ok. Ah, tacticien. Il y a rester femme d'abord. Mais laisse-moi. Ça va être femme, femme, femme. Eh ben non. Femme, je vous aime. On va chanter ensemble. Je connais pas. Un crooner qui va chanter femme de couleur. Au secours. Elles sont de quelle année les chansons, je pense, trouver pourquoi elles me disent rien. Alors, Pascal Crooner, c'est post 2000, c'est ça? C'est post 2000. C'est le raid, on va tenter le coup. Restez femme. Oh, à 4 ans près, on y était presque. Écoutez, on va vous travestir, juste comme ça. Volontiers, ça serait trop la faire. Vous voulez une perruque? Oh bah, pourquoi pas, hein, je suis plus à... Très bien. Hein. Oui, vas-y, attendez. J'en ai plein en rab, j'en ai plein qui veut. Attendez. S'il te plaît, j'ai la perruque de Magali.
Attendez. Ah oui, c'est vrai. Oui. Ça va, ça vous non, je regrette pas d'avoir choisi 17 avril. Hein. Ah ouais, attendez, bougez pas. Voilà. Tout ça pour avoir 0 points. Merci. Non, non, non. Bah non. Peut-être que vous allez avoir le mojo là-dessus. Ma mère, elle va jamais me reconnaître. Mojo. Salut, Mojo. Alors, je vais vous dire un truc. C'est pour pas qu'on vous reconnaisse vu le score que vous avez que j'ai fait ça. Comme ça, vous êtes peinard. Allez, on y va. Il a deux mots. Je vois plus les paroles par contre. C'est parfait. Stéphane pour avoir ses 10 premiers points. Va sur Pascal. Alors, Stéphane. Laisse-moi rester femme. Laisse-moi rester femme. J'ai droit de te peu t'encourager. Ne pas t'étouffer. J'ai envie de crever. Ça rime aussi. Tu m'aimes. Je donnerai tout le temps qu'il faudra. Putain, j'ai de la chance que c'est des versions karaoké qui sont pas claim. Pour ça que je peux la faire d'ailleurs, cette émission là. Ah, re Mojo, re. Je te demanderai plus de ma fête quand tu rentres tard. Putain, Pascal, en vrai. En même temps, vu la chanson là, je serais pas mieux que lui, hein, on est d'accord. Mais c'est quoi ces chansons pourrites? On se tape? T'inquiète, t'as pas de problème. Bon lurk, mon jeu, bon lurk. De toute façon, là, il y a juste de la chanson. Ce sera ton bruit d'ambiance. Bonne chance. Oh, il l'a trouvé ! Ça dérange. Je vais bloquer les paroles, Yagi. Ah, il y avait une oreillette dans les dans la perruque. Le mec avec la perruque, de mon cou, je suis passé. C'est ça, ouais. C'est ça. Bravo, Pascal ! Merci. Il fait chaud en plus là-dessus. Il fait super chaud. Score pour Pascal, 10 points. Pour Lucille, 4 points. Ah, je vous souhaite pas d'avoir des cheveux longs alors. Hein. Vous aurez chaud en permanence. Il y a 70 points d'écart, mais elle peut encore être rattrapée. Ça dépend. S'il y a une chanson de crooner, par exemple, qui déchire, peut-être que vous aurez du mal et que lui va se régaler. Voici la chanson qui va s'arrêter un moment ici. Les paroles seront en jaune. Oh, belle de moi en vert. C'est pas scandaleux. Ça démarche dans le désert. Je ne peux pas m'emballer. Et si jamais je m'approche d'elle, aucun doute, elle s'envole comme une hirondelle. C'est ça, c'est ça, c'est tout à fait ça. C'est pas mal. Il y a du chemin avant d'arriver au refrain. Sale crédome. Photo national. Et j'en drame comme ça, Christophe Maé, je n'invente rien. De moi, qui se présente l'année, ça marche, lui donne des verres, mais j'ose pas m'emballer. Je m'approche d'elle, aucun doute, elle s'envole. Oh, elle le fait voix haute en plus. Bravo. Ouais, là, c'est fini, là. Les paroles se sont envolées comme hirondelles aussi. Non, c'est fini, quoi. Non, c'est finito. Du milieu de ma rue, la silhouette comme un nuage. Mais bon, elle a bien assuré quand même, parce qu'elle n'est pas facile cette chanson. Libérons Pascal. Et là, il connaît par cœur la chanson et il gagne. Ça peut arriver, hein. Découvrir ensemble le score. C'est une émission qui vous stresse quand même. Je cache le score et le cringeomètre cache le score aussi. 127, donc il vous faut 118 mots pour entendre.
YouTube, la cloche. La cloche, YouTube. Oui. On est là pour ça. Mais oui, évidemment. C'est un chanteur qui chante justement une chanson sur une belle demoiselle. Christophe Maé. Ouais, exactement. Il a l'air heureux. Nouvelle pour vous. Très bien, voici la chanson. Il a l'air heureux. Belle demoiselle, il faut aller le plus loin possible. C'est Pascal Fendiwood. Du fond de Paris, une silhouette comme un bout d'aigu se rapproche à hauteur de mes yeux. En tout cas, il aura fait un passage très remarqué. Hein. J'avais de l'espoir, mais l'espoir s'est envolé dès la première chanson qu'il a chantée. Dommage, Pascal. C'est fini, il n'y a plus les paroles. Ah, bah, si, ah, c'est le principe de la même chanson, monsieur Pascal. Vous, je la connais malheureusement pas, je l'ai déjà entendu, mais. Je regarde, j'ai pas, mémoire, j'ai pas la mémoire, malheureusement. Ah, la mémoire de... incroyable de Lucille. Ah, il s'est incliné devant la mémoire de Lucille. De Lucille, c'est ça? Lucille? Ou Lucie? Victoire! Dominique, notre cher Dominique que j'embrasse et que je salue au passage, est arrivé à 160 000 euros. Mais Dominique, attention, peut-être que là, maintenant, ça va se produire parce qu'avec 1 000 euros de plus, il y aurait deux mots à découvrir, 2 000 euros, un peu plus de mots dans la même chanson, puis 5 000, puis là, 10 000. Et là, vous serez la plus grande championne jamais avoir eue. Oh, ce sera beau d'avoir, ce serait beau d'avoir l'émission, on la voit que c'est la plus grande championne. 1 000 euros de plus! Elle championne, quoi! Oh, mon frère, elle est trop belle. Maxime Le Forestier, San Francisco. Mon frère. Oh, elle est trop belle. On aura enfin quelque chose de goût après 20 minutes de souffrance. Elle est trop bien, cette chanson-là. Mais je la connais pas non plus, mais elle est trop belle. Elle est trop belle. Vous la connaissez pas, Lady? Ça, je pense que vous la connaissez, au Québec, cette chanson-là. En temps, les 10 commandements, c'est goldé, hein. Non ! Tristesse. Bien sûr qu'un jour s'en va pour l'un et pour l'autre s'en vient. Bien sûr les étoiles se meurent quand le ciel s'éteint. C'est notre amour qui n'aura jamais de lendemain. Notre amour qui n'aura jamais de lendemain. Mon ref. Quoi? Quoi? Qui a dit ça? €1 000 de plus, tentez-vous les 2 000 euros. Il y a déjà 5 mots à trouver et toujours le cas initial. Je continue. Allez, ah, bravo. C'est d'ici. Quand la source est tarie. Oh, ça m'a l'air d'être très bien, ça. Vous changez avant de bloquer. Je bloque ces paroles. Voulez-vous 5 000 euros, mais à ce moment-là. Oh oui, je veux 5 000 balles. Je veux 5 000 balles. C'est parti pour Lucille. C'est tout notre amour qui s'éloigne, dérive et se perd, mon frère. Tout sauvé, chacun avec sa paix, que le temps nous repère. Et les souvenirs. Oh, c'est mon, c'est pas mon frère, c'est un frère. Ah, c'est fou, j'aurais perdu. J'aurais dû payer. J'aurais dit mon frère. J'aurais dit mon frère, j'aurais dû payer. Ah, c'est fou. Ah là là, c'est dingue.
Ah bravo Lucie ou Lucie. Vous avez 156. J'aurais du pire. Tentez-vous les 10 000. Je vais tenter 10 000 votes. Et elle a toujours les initiales et il y a 10 mots à trouver. Oh, ça va devenir là, ça commence à devenir des paragraphes entiers là, qu'il faut trouver. En plus là ça va être le deuxième couplet, ça va être plus chaud. Ça te dit rien? Bon, je te dirais que la voix des deux qui la chantent est supérieure à la version de elle, bien sûr. Mais ça vaut le coup de l'écouter, je pense. Je la ferai jamais en karaoké parce qu'elle est très difficile à chanter. Puisqu'il ne peut plus grandir sans terre. Bien ce que l'amour, puisqu'il ne peut plus grandir sans terre, c'est ce que vous dites. Si à la moindre erreur, vous retombez à zéro, si c'est bon, vous êtes à 161 000 euros. Et là, je pourrais dire... Jamais quelqu'un n'a gagné autant d'argent à mes côtés. Jamais personne n'aura gagné autant d'argent à mes côtés. Voulez-vous pas souvent qu'on dirait que quelqu'un dirait une phrase pareille. Voulez-vous changer avant de bloquer les paroles? Je vais bloquer les paroles. Oh oui. Oh oh oh. Elle est surhumaine. 161 000 euros, désolé Dominique, encore un record qui tombe entre tout le monde au point de sa place. C'est pas fini monsieur Nagui, si elle tente les 20K et qu'elle perd, bah c'est plus le record là. Pour sa place, n'oubliez pas les paroles, 161 000 euros, mais ça peut être encore plus dingue avec 20 000 euros. Putain. J'y vais. Oh il y en a un derrière moi là. Je suis buzz. Il y a 14 mots à trouver, il lui reste encore le joker des initiales. Elle est dingue, elle est maestro, c'est Lucie. Et là, elle perd la grid. Mon frère. C'est un amour qui ne trouvera pas de rivière, mais ça a déjà été dit. Là, ça. Alors, bien plus que cette fin d'espoir, que le courant charrie, c'est un amour. Oh, elle rentre, hein. Et là, vous dites, c'est pas ça, j'ai déjà dit. Mais il me semble. Je pense qu'elle l'a pas dit, ça encore. De toute façon, ça ne servira pas. Aïe, allons-y. Oh ah, bah non. C'est ça. Oh alors, après, il y a peut-être un piège avec un mot genre le T de trouvera qui est un autre verbe et ainsi de suite, j'en sais rien. Vous êtes sûr? Mettez le doute, Nagiman, mettez-le. Je bloque les paroles. Oh ah bah on a trouvé finalement 10 avril pour la finale, ça vaut la peine. Oh Ramelol. Ah, très bel effet de confetti, hein. C'était trop cher de tout ramasser. 22 victoires. Et Lucie, vous avez gagné. Vous avez gagné combien? Regardez, c'est écrit là-haut. Dites-moi combien vous avez gagné. 171 000 euros. Bah voilà, Lady, vous voyez ce qu'il faut faire. 171 000 euros. Go voyage en France. Étudiez toutes les chansons de la France. Ça va être facile. Un vrai bout de femme avec son caractère étudiante. Ah allô. Et ce qui est dingue, c'est que non. Oh, le générique est moins rapide que d'habitude. Toutes émissions confondues en tout cas pour moi. Mais c'est que c'est pas fini. Mais non, c'est pas fini. Dominique, on revient encore demain. Ciao. Tant que personne là-bas, elle reste. Elle peut potentiellement gagner infini. Évidemment. Bon, allez. Another one. Alors on peut regarder celle du lendemain, mais en général ce qui se passe c'est que quand vous avez un maestro surtout qui est là depuis moult émissions, elle sera encore là pendant longtemps. C'est on va dire ça comme ça. Le next, tu veux le next direct? Ou bien on peut en mettre un autre dans le temps où ce sera pas potentiellement plus elle. Tu veux le next ou c'est encore elle? Ah, moi je voulais choisir, mais il faut que je retrouve. Hein. 17 avril, ok. Attends, je regarde quand même. Ouais, la prochaine est là.
La prochaine est là, en tout cas, si on veut la voir, elle est là. Elle est là. Si jamais on veut la voir. Go la madame, let's go alors. Let's go la madame. Let's go la madame. Par contre, je vais peut-être changer un peu la couleur. Et je pense que c'est un jeu télé qui existe encore. Lucie. Je pense que c'est une émission qui existe encore aujourd'hui. Hein. Faudrait que je demande à mes parents pour être sûr. Celle dont tout le monde parle et on est ravis de vous présenter cette maestro la plus grande de toutes les championnes. Un peu plus de, un peu moins de bleu. Elle a 22 victoires. Enfin si, c'est bleu et vert. 11 000 euros. Oh c'est fou. Elle vise les 200 000 euros dans cette 200 000 balles. C'est ça. Si on se donne un but symbolique. Un million. Ah, et c'est une étudiante en plus. Ah bah oui, dis donc. Elle peut arrêter les études là et vivre pendant quelques années tranquille ou hein. Super gaffe à ça. Sur votre route, Lucille, il y a Marie-Ève qui est là. Marie-Ève, quoi? Marielle, pardonnez-moi. Ça me dit rien en tout cas. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas de version, il n'y a pas de chanson québécoise dans cette émission-là. C'est une chanson québécoise que t'as citée. Vous comprenez pourquoi il n'y a pas de chanson anglaise dans cette émission-là? Je sais qu'à un moment, Nagui, il faudrait que je trouve ça. Je sais qu'à un moment, il avait essayé de faire ça, de faire des chansons en anglais, et que c'était des choix pour les paroles, mais il a arrêté très vite, parce que ça marchait pas. Mais je sais qu'à un moment, il a voulu le faire, je m'en souviens de ça, qu'il y avait des chansons anglaises à un moment donné, n'oubliez pas les paroles. Mais il a arrêté, ça marchait pas. Il a arrêté, mais voilà que j'en retrouve une où il, chante, où il y avait des chansons anglaises. Ça serait dingue d'en retrouver une. Je vous présente Lucille, votre maestro, celle qui fait peur. Faites quoi dans la vie, Marielle? D'abord, vous êtes de quel coin? Alors, je suis de Suisse. Ça s'entend pas? Oh, la Suisse. Non. Voilà, tout de suite, non. Non, non. Ça va. Si c'était Belgique, ok. J'ai des montagnes, mais là, non. De la région tout près de Montreux. Ah, où il y a le fameux festival, d'accord. Voilà. Et c'est là où il y avait eu... Quand tu dis THE, un THE, où, si ma mémoire est la bien, langue entre les dents. C'était pas Montreux? Oui, c'est Montreux. Vous avez vu ouais, le cas de prendre feu à l'époque et ils ont eu l'idée de « Smoke on the water ». The Drugstore. Ah d'accord. Ça te démange, hein, Jean-Luc, ça te démange d'aller plus loin. Ouais, moi aussi, je t'avoue. Vous gagnez 20 000 euros, Marielle, que faites-vous? À part planquer l'argent en Suisse. Mais en même temps, ah, vous avez le droit. Si j'avais 20 000 euros, les anciens bails. Ouais, je partirai. Les blagues d'un autre temps. Aujourd'hui, ce serait Malte. Avec vos enfants, c'est ça? Les choses évoluent. Les choses évoluent avec le temps. Le monde, donc le tour du monde, je ne sais pas. Ah, vous aussi. Ah, bah, c'est un truc de femme. Ça, elles ont envie de faire le tour du monde, toutes les deux, d'accord. Ouais. Bon, très bien, c'est tout le mal que l'on vous souhaite. Bah, toi aussi, t'as envie de faire le tour du monde, Lady. Pour la première catégorie, Marie un truc de femme. Lucille, quoi. Toute première fois, 20 points. Benabardo, je suis pas sûr qu'il apprécie d'être mélangé avec. Pardon. Avec elle, pour 30 points, Mylène Farmer, 40 points à deux voix et 50 points. Les années 80. Oh, les années 80, les meilleurs! Vous êtes maestro et quel maestro avec 22. On va commencer avec une chanson que forcément je vais connaître. Je vais commencer avec les années 80. Les voici. Je vais forcément la connaître. 50 points en jeu sur Cargo de nuit. Bien sûr que je les connais, bien sûr, ça se voit à mon visage que je les connais. Ou Gold. Avec modération, la deuxième serait meilleure. Plus près des étoiles, au moins, je connais le refrain de la deuxième. Ouais, bravo. Oh, je cache ton nom avec ma grosse tête. On va enfin le savoir. 30 points à marquer. Et moi, ce que je vais faire, je vais mettre plus près d'une étoile. Car c'est notre plus grande championne. Allons-y, maestro. Vous avez compris que c'est la plus grande des championnes au bout d'un moment. Ah mais c'est décalé au City, aussitôt. Oh arrêtez, ça vous ferait plaisir si je vous disais ça en la prochaine.
t'offre les rizières. Les rizières. Pardon. Rizières. Un peu plus près des étoiles, au jardin de lumière et d'argent. Un peu plus près des étoiles, à l'abri des colères du vent. Plus libre qu'avant. Voilà, c'est ce que je connaissais. C'est tout pour moi. Salut, drop the micro. Tu as un décalage? Y a-tu un décalage entre le son et la caméra? Non. J'ai cru. Après les chenilles d'acier. Non. Non. Non, puis c'est alors je l'aurais pas. Donc je vais pas insister. Tiens, vous aimez ça les dinosaures en regardant grandir leurs enfants. Bon. Oh, je l'ai dédoublé. Pas de points pour Lucille. Un faux pas qui risque de lui coûter cher. Maintenant, 10, 20, 30 ou 40 points. Alors je vais prendre à deux voix. Allons-y pour 40 points, soit. Oh, Céline Dion et Garou. J'ai senti le grand vol et glissé sur le banc. Fouston et Chardonnay avec la ventola. Solo, c'est la vie que je mène avec toi. Sous le vent ou la ventola? Ouais, je vais prendre la ventola. Quoi? Ah ben ouais, je prends la ventola. Elle veut vivre une aventura dingue, elle veut partir faire le tour du monde. L'aventura. Il y a six mots. Oh, je suis tellement déçu. L'avez-vous déjà chanté cette chanson? Non, mais je l'ai un petit peu dans mes souvenirs. Mais vu la tête, vu la tronche qu'elle tirait, elle avait l'air de mieux connaître Sous le vent. C'est votre métier? C'est mon métier de fin de semaine. C'est impressionnel. Très bien. Ah ben ça tombe bien, on est vendredi, tout va bien. Voilà. La cam va bien. Six mots donc à retrouver, c'est parti. Je suis déçu. Je suis déçu. Bon, elle est bien, hein. Mais par rapport à Sous le vent. Et là, les couplets, je bite rien. Hein. Ouh, où tu vas? Chanter partout avec toi. On prend l'avion et on s'en va. L'aventura, c'est la vie que je mène avec toi. L'aventura avec deux V, on sait pas pourquoi. C'est dormir chaque nuit dans tes bras. L'aventura, c'est tes mains qui se posent sur moi. Et chaque jour que Dieu fait mon amour avec toi, c'est l'aventura. Donc il est devait était normal, j'ai paniqué pour rien. C'est dommage après un si beau refrain de tomber ainsi. Vous voulez qu'on reconstitue un peu? Je veux bien qu'on recommence. Ah ouais, ça va pas. Quand tu m'en... En tout cas, si on devait faire... On voit que Nagui commence les délires, mais il veut pas partir trop loin dedans. Toutes les deux, des yeux sublimes et bleus. Oui, hein, ah, qui sont effrayants, toutes les deux. Ah ouais, toutes les deux. Quand tu m'embrasses, rien. Non, rien ne se passe. Quand il fallait dire tout est nouveau sous le soleil. Ah ben, y a pas de regret. Ouais. Bon, pas de points ni pour lui. Pondre gros. Marielle n'a pas profité du premier faux pas de Lucille. Attention, Lucille, pas de deuxième faux pas. 10, 20 ou 30 points. Mylène Farmer pour la voici. Soit désenchanté. Chaos.
à côté tout. Ah, je cherche une âme qui pourra m'aider. Où je suis liberté. Je suis une cata. Je tiens à préciser, parce que je connais extrêmement bien Gérard Policino, le plan qui a montré cette jolie jeune demoiselle rousse est tombé sur Je suis une catin, c'est un hasard. C'était au moment. Oh, terrible. Donc, pardon, mademoiselle. C'est juste. Mademoiselle Je suis à la caméra, je m'en fous. Désenchantée, que voulez-vous être? Désenchantée. Désenchantée. Il y a 5 mots à retrouver, c'est écrit là pour avoir les 30 premiers points de notre maestro qui est déjà évidemment la plus grande avec vous. Regardez, moi je suis une cata. Un groupe de rousses. Nager dans les eaux troubles. Des lendemains. Tendre ici le pain. Faudrait que je mette l'ouverture plus large parce que ma bouche. Les autres noirs trop lourds du presque rien. Qui tendront la main si je dois tomber dehors. Que ma chute soit lente. Je n'ai trouvé de repos que dans la différence. Je voudrais retrouver l'innocence. Mais rien n'a de sens. Et rien ne va. À côté, tous mes idéaux de mots abîmés. Je cherche une âme qui pourra m'aider. Je suis une génération désenchantée. J'ai l'impression que chanter dans ce truc-là fait que ma voix est encore pire que d'habitude. C'est terrible. Je vais bloquer ces paroles. Oh, allez, allez. Enfin une chanson où j'ai pu briller un minimum. Comme dingue. Enfin des points dans ce match. Lucille a 30 points. Marielle, vous pouvez vous rapprocher d'elle avec 10 ou 20 points. Non, je vais prendre toute première fois. Toute première fois, 10 points en jeu, soit le premier pas de Claude Michel Schoenberg. Premier pas, j'aimerais qu'elle fasse le premier pas. Sublime chanson, le premier pas. Et puis après, une fois que le premier pas est fait, bah, y a le premier baiser. Premier baiser, échangé sur une plage en été. J'aurais dit déserté, mais c'est pas grave. Et les yeux dans les yeux. Ah ok, l'autre. Il y a deux mots Emmanuel à découvrir pour avoir les 10 premiers points de Marielle. Switzerland. Deux mots à trouver. It's a Switzerland en France. Baiser, échanger sur une plage désertée. Ah bonjour, qui vient vous emporter. Refrain. Premier et moi, toi et moi, cachés dans les rochers. Premier soupir de plaisir quand tu m'as embrassé. Ça ne s'oublie pas quand c'est la première fois. Mais c'est pas celle que je pensais du coup, c'est pas les yeux dans les yeux là. Merde. J'ai mélangé deux chansons. Et un garçon. Une fille et un garçon, je suppute, oui, en toute va, logique. C'est une fille et mais... un garçon. Vous savez plus comment ça va, une fille et un garçon? Alors c'est très simple. Vous verrez, la nature est très bien faite.
Mais il est vraiment... Mais il est cringe quand il y a des filles. Faut arrêter. Il est pas marié, Nagui. Très bien. Vous avez plus quelle tonalité pour chanter, c'est ça? Je me rappelle plus du tout comment il n'est pas marié, Nagui-man. Vous avez assuré, tout va bien. 10 points pour Marielle, 30 pour Lucille. Ça va se jouer à 20 points d'écart pour l'instant. Allez vous installer dans le fauteuil, ma belle. Écoutez du hard. Le temps pour Lucille, notre maestro. Il n'a pas changé de chaussure, hein. Sonic. Hein. Sonic qui encore. Veut une 23e victoire. Je rappelle qu'elle était en CDD, elle veut un CDI. Tu me diras, ses lèvres aussi font peur, Lady. Voici la chanson en commun. Oh! Vous aimez bien Goldman, j'ai l'impression, non? J'aime bien Goldman. Oh. Suffisamment pour vous envoler avec lui? Bah j'espère, nous écoutez, allons voir. Je vous le souhaite. Bon, je la connais pas par cœur, mais c'est du garantie, ça. C'est du plaisir pour les oreilles, mais ça. D'abord, faut s'envoler. C'est parti! C'est Lucille! Je me demande si elle est pas dans mes karaokés, celle-là, Lady. Mais il nous faut l'œuvre. En haut des tours, les voix se taisent et tout devient aveugle et sourd. Je me demande. La zone sale et les épaves et la laideur. J'ai pas choisi de naître ici, entre l'ignorance. Faudrait que je me teste pour voir si elle s'en sort. Je me le promets. Envole-moi, loin de cette fatalité qui colle à ma peau. Envole-moi, remplis ma tête de conneries et d'autres mots. Envole-moi. Mais les dés sont pipés. L'hiver est glace. L'été est feu. Ici il n'y a jamais de saison pour être. Ah, elle a dit il n'y a jamais au lieu de il y a jamais. Vous avez dit ici il n'y a jamais. Ouais. Et c'est ici il y a jamais. Y a oh il n'y a jamais. Ah bah si, si, si. C'est terrible la négation. Il y a la négation juste à moitié, Goldman. Juste à moitié la négation. Un truc de dingue. J'étais malade. On fera mardi soir. Tout le monde joue avec la mémoire. Vous aussi, vous pourrez. Je veux jouer avec ma mémoire. Avec une application, quel que soit le téléphone intelligent ou même par le téléphone intelligent. Ah, ce 2015. Michel Simès et moi-même mardi soir. Le téléphone intelligent. Mais là, on va jouer avec la mémoire de Marielle. À défaut de jouer avec autre chose lui appartenant. Le score réalisé par Lucille, elle était à 30 points. C'est Lucille, hein, on confirme que c'est Lucille. 113, vous avez donc 104 mots à retrouver pour entendre. Faut quand même faire des maths, hein, pour trouver la différence de points à chaque fois. Quel artiste vous aimez particulièrement? J'adore, je suis fan de Véronique Sanson, Liane Folly. Alors chez les hommes? Chez les hommes, Fugain, j'aime bien. Ouais. Oui. J'aime mais bien Bella Voile. Chez les hommes qui. Oui. Je vois pas. Jean-Jacques. Goldman. Oui. Ah peut-être. Et qu'est-ce qu'on fait plaisir. Bah, je sais pas. C'est ça. Dans un village dans le Nord. Voilà. Envole-moi. C'est pas du tout. Ça rien à voir. Connard. Mais c'est du Goldman. Mais c'est du Goldman. Envole-moi, 104 mots à trouver. Lorsque les paroles s'arrêtent ici, il faut qu'elles continuent. Pensez qu'elle l'a. Capable, va-t-elle détrôner notre plus grand Kanchi qui a 22 victoires. Kanchi. C'est parti. Moi je veux dire, on les entend deux fois, ça fait chier, mais ils doivent passer les deux la même chanson. Je vais pas chier au bout d'un moment. Pour quelques heures, la seule salle et les épaves et la laideur. J'ai pas choisi de naître ici entre la ville de la terre. Ah, c'est dommage!
Dommage. J'ai pas choisi de naître ici, entre l'ignorance, la peur, et l'ennui. Ah merde, c'est même pas la peur et l'abandon, c'est après. Oh là là, c'est pas facile comme chanson. Il vous manque juste 100 points. C'est pas grand chose. Pardon, pas 99 plutôt. Bisous en tout cas, bon retour en Suisse. Ce n'est pas grave. Merci à Marielle. Allô ? Ah non, arrête. Merci, bisous aux enfants, merci. À Marseille le 22 avril, attention. À Paris le 24 et à Besançon le 28. 23 attention. Victoires. Elle a 171 000 euros. Elle peut s'approcher des 200 avec 191 000 euros si elle gagne 20 000 euros. D'abord, il faut passer par 1 000 euros et me donner deux mots d'une chanson, la même chanson plus loin, 2 000 euros. J'aimerais bien avoir l'émission des cerveaux après, si jamais je peux la trouver. C'est quoi qu'il a parlé là, Nani ? Que son truc d'influenceur fonctionne bien sur moi. Avec quelle chanson? Oh, c'est Stromae de merde! Si je voulais garder à vous! Allez, et ce serait vraiment formidable, le joker des initiales. C'est parti, de mon 1000 euros, allez aussi! Formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh bébé, oups mademoiselle. Oups, mademoiselle, vous bloquez, vous vérifiez, vous changez cette réponse, que faites-vous? Je bloque ces paroles. J'espère que vous êtes prêts pour la chanson la plus répétitive de l'univers. 1000 euros de plus. J'espère que vous êtes prêts pour la chanson la plus répétitive. Au moins, l'avantage, c'est que vu que c'est belgicien, je vais sûrement la connaître. Mais bon, ça fait chier, quoi. Pas vous draguer. Promis juré. Je suis célibataire depuis la putain. On peut pas faire d'enfant. Ah, c'est sûr que je la connais par cœur, celle-là, je l'ai tellement entendue à la radio. Je bloque ses paroles. Fatalement, hein. J'ai honte hein, de la connaître, mais c'est la mémoire, c'est comme ça, je la retiens malgré moi, quoi. 5000 euros, vous arrêtez ou vous continuez pour 5000? Je continue. 5000 euros, 7 mots à trouver, toujours du quasi initial. Je peux pas faire d'enfant. Oh, c'est pour un royaume. En 100 minutes, quoi. Moi, je t'ai pas insulté. Je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Je suis poli et courtois ou bien courtois? Je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Et là, il y a un et. Oui. Oui. Et un peu fort bourré. Ça n'a pas de sens, hein, mais oui. Oui, c'est ça. Ah, ça m'énerve de la connaître. J'aimerais bien ne pas la connaître. C'est honteux. Oh là là. On est vraiment post 2000, quoi. Et comme j'ai le joker, je tente. Ah, c'est vraiment à cœur, voilà, c'est vraiment très à cœur. Mais bordel, ça aurait pu être Aznavour, ça aurait été mille fois mieux. Comment on peut préférer Stromae à Aznavour, quoi, avoir pitié. J'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable et j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable et j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh, t'es regardé. Tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est Canano, mec. T'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et pied au petit, un truc comme ça. Vous t'as pas les initiales là? Elle va te larguer comme elles le font chaque fois, ouais, je pense que c'est ça. Paroles, voilà. Ah, oh, c'est beau. Elle est forte quand même. Hein. Elle est forte la Lucie là. Et tu lui as parlé à Lucille? J'ai compris. Tu vas la baiser la Lucille? Je me suis dit, j'ai un problème. Vous dites, je la connais par cœur et j'y vais. Ah, si vous l'avez, parce que si vous trouvez, là vous redescendez à zéro. Mais il me semble que je peux y aller, alors je vais tenter les 20 000 euros. Oh! Elle va chanter pour
191 000 euros. Bah, en même temps, après, si elle connaît, c'est ça. Et puis au petit, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis. C'est Lucille, c'est le moment de l'encourager. Et après, je vois les paroles. Parce que bon. Ah, c'est pas le petit. Si tu veux, je lui dis. Comme ça, c'est réglé. Et au petit aussi, ouais, c'est ça. 3 ans, 7 ans, et là vous verrez si c'est formidable. Elle pourrait limite être dans mes karaokés, mais j'ai pas envie de la mettre. J'ai vraiment pas envie de la mettre. Mais je la connais. Mais j'ai pas envie de la mettre. Mais je la connais. Mais j'ai pas envie de la mettre. Je veux pas la mettre. Je la connais pourtant, mais ça m'énerve de la connaître. J'aimerais ne pas la connaître. Nous étions formidables. Oh petite, oh pardon petit. Tu sais, dans la vie, y a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est parce qu'elle a peur d'être mamie. Et si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit. Tiens, pourquoi t'es tout rouge? Et reviens, gamin. Qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe? Ah, vous êtes sages, vous bande de macaques. Offrez-moi un bébé singe, il sera formidable. Et là, c'est le refrain à nouveau. Mais ça m'énerve de la connaître, j'ai pas envie de la connaître. Chanson de mort. Oh, chiant, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Ouais, oui, c'est ça, en plus, il demande juste ça, c'est pas comme s'il demandait toute la fin. J'ai mis c'est parce que, mais non, il n'y a pas de parce que. Mais c'est une chanson qui ne se chante pas. Tu chantes pas dans cette chanson-là. Tu chantes pas, c'est ça qui m'énerve dans cette chanson. Les couplets, tu ne les chantes pas. Tu parles en wesh et ça passe. Mais t'es énervant quand même pour ce qu'on appelle une chanson. Elle a encore gagné. T'as plus les plus. €191 000. Il se passe quoi dans votre tête? Je suis le papa le plus heureux. Le papa le plus heureux pour Lucille. C'était son plaisir. Elle voulait c'est son père. Elle voulait chanter. Et ben, elle l'a fait. Maintenant, elle a fait la cerise sur le gâteau. Ça va lui permettre de démarrer des belles choses. Son voyage autour du monde, là, t'inquiète. C'est pas fini. C'est pas fini. Elle sera là lundi. Mais quand va-t-elle arrêter de gagner? Va-t-elle franchir la barre symbolique et déjà extrêmement importante des 200 000 euros gagnés dans N'oubliez pas les paroles? Je rappelle tiens, que le précédent record était à 93 000 euros. Ah bah alors. 191 000 euros et 23 victoires. C'est la plus grande, c'est la meilleure, c'est Lucille. Bravo Lucille. Bonne soirée sur France 2 dans 5 minutes, le journal de 20h. Ciao, 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 à lundi. Je me spoil. N'oubliez pas les paroles. Lucille. Lucille, l'une des plus grandes maestros de l'émission. N'oubliez pas les paroles. Lucille apporte des précisions. Que s'est-il passé? Wiki, n'oubliez pas les paroles, attention. Lucille. Merde, mais c'est la chanson Lucille, mais j'ai pas envie de Lucille. Je veux savoir celle de n'oubliez pas les paroles. Mais merde, il n'y a pas de truc qui me dit, combien de temps elle est restée. C'est terrifiant. Elle a participé au tournoi des maestros, donc ça veut dire qu'elle a vraiment fait partie des meilleurs ever, ça c'est sûr. Et apparemment, elle est devenue prof. Donc, elle a fini ses études, elle est devenue prof. C'est fou. Mais on sait pas combien de temps elle est restée. On sait qu'elle est revenue plus tard, en 2021, alors, pour le tournoi des maestros. Mais on sait pas plus. Elle est rendue à 1 000 000 de balles. Bah là, elle a continué ses études, apparemment, elle est rendue prof. Donc, après, il paraît qu'elle est frustrée parce qu'elle a perdu. Bon, là, au bout d'un moment. Au bout d'un putain de moment. Hein? Oh, on aurait laissé un peu pour les autres, non? Ah, ce mercredi 22 avril. 22 avril?
Oh, c'est pas loin du 17. Le 22 avril, après 28 victoires, Lucille éliminée, elle a gagné 200 000. 202 000. Assez longtemps, c'est le jeu. On va partir avec une somme très importante. Voilà, elle va faire son tour du monde. Et après, elle va investir dans un appart, etc. Lorsque j'écoute une chanson, je les mémorise. Nanana. Nagui est-il aussi sympathique qu'il en a l'air? Attention! Attention, Nagiman! Est-il aussi sympathique? Et là, les bails. Oh oui, il est sympathique, il est très gentil. On s'est bien entendu de mieux en mieux au fil des émissions. Trois petits points. Il m'a dit plein de choses gentilles quand je suis parti, que j'étais chez moi dans l'émission, que je pouvais revenir quand je le voulais, nanana. D'accord, bon, il est gentil. Ça va, soyez rassurés. Elle est toujours étudiante. Et apparemment, elle a... Elle a eu une leucémie, visiblement, ce qui n'est pas si nice que ça. Nagui a demandé si cela me dérangeait d'en parler, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est bien de montrer qu'on peut en sortir et qu'on peut très bien vivre avec cette maladie. J'ai dit qu'en parler pourrait redonner la force à certaines personnes pour se battre. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai reçu plusieurs messages qui allaient dans ce sens. C'est merveilleux. Et puis j'ai vu passer le message du sang et des plaquettes. C'est important. C'est important. Ok. Bon, bah voilà, vous savez. Du coup, le 22, en vrai, en soi, si on sait en regarder une la prochaine fois, on regarde 22 avril. 22 avril, voilà, là. Il y en a une ici, alors c'est une sur les deux. Mais, ah non, les celles du 22 avril sont là. Donc on sait que la prochaine fois, si on veut la voir perdre, il faudra regarder le 22 avril. Mais elle a gagné 202 000, oui, ce qui est vraiment nice. Donc c'est-à-dire qu'elle a fait encore un truc à 10 000 et un truc à 1000, tout simplement. Ou bien elle a fait deux fois 5K, enfin, faut voir. J'ai bien envie de regarder le truc du cerveau que Nagui parlait, mais comment ça s'appelait? Si je tape Nagui cerveau sur YouTube, vous pensez que ça donne quelque chose? Un candidat hypnotise Nagui? Non. Ce n'est pas ça. Qu'est-ce que c'est que le nom de cette putain d'émission qu'il a dit avec le cerveau là? Entraînez votre cerveau peut-être. Entraînez votre cerveau. Non, c'est un livre. Ça n'a rien à voir. Oh, j'aimerais bien la voir. C'est quoi cette émission avec les cerveaux là? Il m'intrigue, Nagiman. Entraînez votre cerveau. France 2. Non, ce n'est pas ça. Fais chier. On veut l'avoir perdre. J'ai déjà hâte. On sait que c'est le 22 avril. Après, je l'aurais oublié, je pense. D'ici le moment, on va re-regarder. Mais c'est quoi le truc des cerveaux, Nagui? Nagui! Vous en avez parlé. C'était quand qu'il en a parlé, là? Qu'on allait entraîner son cerveau, là? Oh, je sais plus c'est quand qu'il en a parlé. Oh, j'ai pas envie de tout regarder pour savoir c'est quand qu'il en parle. Un chanteur qui chante justement une chanson sur une belle demoiselle. Oh là 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 là. Mémoire peut-être. Nagui, mémoire. Tout le monde joue avec la mémoire. J'ai trouvé. C'est bon. Tout le monde joue avec la mémoire. La mémoire. Ah, apparemment, Nagui a fait un clash. C'est fou. Merde. Je la trouverai pas. Gros malaise avec Nagui. Ah. Ah, visiblement, il y a des malaises. Bon, je sais pas si c'est une bonne idée du coup qu'on puisse ne pas la voir. C'est peut-être une bonne chose qu'on ne puisse pas la voir. Tout le monde joue avec la mémoire. Parce que si je tape juste ça, il y a quelque chose qui se passe. Non. 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 On n'a rien.
Merci Silver. Chante cocotte, chante cocotte, chante cocotte. Oui, les dinosaures, vous pouvez. Merci Silver pour le raid. Vous jouez à quoi de beau? Là, on est en train de chercher quoi React. On regarde une émission de mémoire. Alors, Nagui a fait un clash. Salut Kakash, un raid envahit le stream. C'est quoi le clash? Merci mille fois, merci Marilou pour merci. Ce sourire écarlate que vous avez eu pendant toute cette soirée. Mais c'est pas un clash. Salut Popoy, stream mobile. Salut, salut. Pas regarder l'émission du. Mais c'est Nagui. Donc le clash, voilà, c'est ça. C'est qu'il a dit merci pour votre sourire écarlate tout du long parce que la personne faisait la gueule tout le temps. La personne faisait juste la gueule, Lady, voilà. Et il a dit merci pour votre sourire écarlate. Moi, j'appelle pas ça un clash en fait, mais c'est pas grave. Hein. Faut croire qu'en 2017, les notions de clash étaient différentes. Bon, bah voilà. Ah, je trouve pas, tout le monde veut jouer avec la mémoire. Et si je le tape sur Google, le taper sur YouTube. Tout le monde joue avec la mémoire. Peut-être intéressant. Tout le monde joue avec le cerveau. Mais faut savoir ce que vous voulez au bout d'un moment. Et là, c'est tout le monde joue avec le cerveau. Mais bordel. Mais bordel. Les résultats que j'ai, c'est... Salutations, Kakash. Ah, Kakash, je sais pas si vous avez vu hier. J'ai une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Zeldo Games. Vous avez à la commande Zeldo Games, point d'exclamation. Alors, je sais, je fais ma pub comme un gros connard. Mais c'est parce que ça parle de fangame 100%. Et si tu veux que je parle de The Only One, je peux le faire. Je peux le faire. Ou de ton projet Link to the Past. Je peux le faire, si tu veux. Mais il faudrait que j'y rejoue. Voilà. Mais si tu veux, je peux en parler sur ma chaîne YouTube. Voilà. Bon. Bah si, tout le monde joue avec la mémoire. Emissiontv.com. Mon Dieu. Ça m'a l'air d'être un site très bizarre. C'est avec Michel Simès et Nagui Man. Je connais. Michel Simès, ça me dit rien. Kakash, vous qui connaissez la France, ça vous dit quelque chose, Michel Simès? Dit quelque chose, vous? Tout le monde joue avec le cerveau, on va mettre. Le cerveau. Tout le monde joue avec le cerveau. Mais c'est juste des extraits qui durent 20 secondes. Terrible! Oh là 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 là! Tout le monde joue avec le code de la route. Ah, il y en a plusieurs en plus! Tout le monde joue avec ses émotions! Ah d'accord! Ah d'accord! Oh mais c'est génial! C'est de la merde, d'accord. Tu m'interviews, bien sûr, bien sûr. Je faisais des émissions sur France 5 et Arte sur la médecine. Eh ben dis donc. Bah du coup tout le monde joue avec tout le monde joue avec. Tout le monde joue avec la France. Oh là là, mais c'est vraiment dingue. Mais il y a aucune émission, il y a pas de d'émission longue sur YouTube. C'est triste. Je me demande si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Bon bah on ne regardera pas tout le monde joue avec la mémoire ou le cerveau ou les émotions ou mon cul. Hélas, c'est bien dommage. Il est médecin mais il fait de la promo de pseudo-science. Je sais pas ce que vous entendez là par un bourgeois. Aïe 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 aïe. Tous ces bourgeois. Bon, qu'est-ce qu'on regarde? Parce que moi, je voulais regarder tout le monde joue avec, là, mais je trouve pas. Tout le monde joue avec Nagui. Ah non, mais il y a juste son tacle. On peut regarder, au pire, le tout le monde veut prendre sa place. L'autre émission que faisait Nagui, mais j'ai regardé ça. On peut regarder un 12 coups de midi. On peut regarder un 12 coups de midi avec Jean-Luc Reichmann, le script, bien sûr. Jean-Luc Scriptman, pardon. J'avais oublié. On peut regarder Scriptman, sinon.
Soit vous êtes la nouvelle championne avec 2100 euros, soit parmi vos... Ah d'accord. D'accord, donc le truc, c'est Nagui fait pleurer une petite fille, mais en fait, c'est juste que... 13100 euros, vous lui faites une offre... Voilà, c'est juste que vu que sa maman, elle devient championne, ça a fait pleurer la fille. Il l'a pas genre frappé pour qu'elle pleure. C'est titre putaclic et moi qui me fait avouer comme une merde. C'est quand même dingue. Bon, du coup, on regarde quoi? On regarde Tout le monde veut prendre sa place, qui était l'autre jeu télé de Nagui. Est-ce qu'on regarde Jean-Luc Scriptman pour l'émission scriptée jusqu'à la moelle? Est-ce qu'on regarde l'émission du 22 avril de N'oubliez pas les paroles? Ou bien est-ce qu'on regarde autre chose? Un Money Drop ou quelque chose? Il est 21h hein, aussi, donc il faudrait penser à s'arrêter un jour. Donc j'ai pas envie de regarder un Fort Boyau ou un truc comme ça, ça va durer trop trop longtemps. Le 22 avril, Money Drop, c'est trop stressant. Eh, c'est bien Money Drop. Le 22 avril, Café Inéco. Allez, le 22 avril, on va se regarder le 22 avril. Allez. Désolé, Kakash. Le 22 avril, alors le 22 avril, let's go. Le 22 avril... Et on y est. Ah, je suis vraiment content d'avoir trouvé cette chaîne YouTube qui recense toutes les émissions de N'oubliez pas les paroles, c'est extraordinaire. Faut que j'en profite tant qu'elle soit pas supprimée la chaîne. Parce que là il y a des vidéos qui datent d'il y a 4 heures, d'il y a un jour, etc. Est-ce que j'aurais tout DL dans le casu? Merci Etienne, non. À N'oubliez pas les paroles, voici la plus grande de toutes les maestros. Oui, oui, on l'avait déjà compris. 102 000 allez, euros, un petit 28 chèque. Victoires. Est-ce que là vous êtes fixé comme une espèce de motivation, un autre palier, quelque chose à faire? Je vois qui va là-bas. Par contre, j'espère que la personne qui est là-bas n'est pas quelqu'un qui chante comme une merde et qui a juste eu du bol, hein, parce que sinon ce serait triste. 300 000 euros. Très bien. Voilà. 28 victoires sur sa route, sur votre route, il y a Anaïs. Donc elle, c'est celle qui va détrôner Lucille. Vous pouvez vous préparer à la haïr déjà comme ça. Et là, Lady a fait, je l'haïs déjà. Par contre, ça va de faire que des chansons anglo quand ils arrivent. J'ai pas encore d'opinion. Attends de l'avoir sur une première chanson, du coup. No, 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 no. Ah non, je suis blablabla. Au secours! Oh, ça va, Mojo. On joue pas à des jeux vidéo parce que ça m'énerve, les jeux vidéo. Ça va les filles. Et il faut que je me calme ces temps-ci. En même temps, c'est pas avec formidable de cul que je vais me calmer. Bienvenue, je vous présente votre maestro. Pourquoi il y a des aliens? Parce que... des DMCA, Kakash. Périscolaire. Oui, je gère... En dehors de l'école, donc. Voilà, c'est ça, les centres de loisirs. Parfois, je dirige aussi. Ils ont quel âge, vous, les élèves que vous avez? 13. Entre 6 et 13 ans, d'accord. Ah ouais, quand même. Alors, à quel moment elle intervient, tout ça? C'est une passion. En dehors du boulot en plus. Voilà. Ou avec les enfants en fait. La passion. D'accord. J'ai déjà fait des concerts pour eux. Ah donc c'est vous qui chantez et eux qui regardent. C'est oui. Cool. Comme le truc il a tellement morflé en vrai. Aujourd'hui activité publique. Il faudra d'autres papiers là, il dit bientôt. Hein. Mais évidemment, il me faudra une nouvelle corne là. 20 000 euros, que faites-vous? Je fais une maquette. Je suis désolé Kakash. Il y a des jours comme ça. Non, une maquette. Il y a des jours comme ça, monsieur Kakash au Rukura. J'aimerais bien. Faut changer de prénom parce que Anaïs, c'est déjà sa carrière. Vous avez déjà pensé à un pseudo ou pas? Oui, mais c'est pas c'est si pas top. L'urgence. Non, on y réfléchit encore. Ok. Bon, l'heure. 10 points, vous allez chanter les Patrick pour 20 points. Patrick Fiori. Les années 70, 30 points, Gérald de Palmas, 40. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok. Ok, ok. Il me dit viens et ensuite la même. Attention, parce que ça, là, il me dit viens. Je vais commencer. Avec. Oh, c'est quoi ce regard? Avec quoi? Non, avec il me dit viens. D'accord. Comment dire non? Il me dit que je suis belle d'abord. Ou alors viens, je t'emmène.
je t'emmerde. Alors c'est dommage. C'est dommage, Lady. C'est pas celle de France Gall que je connais le mieux. C'est dommage. Je prends d'il me dit que je suis belle. Et pourtant vous aviez l'air plus à l'aise sur le playback de Viens je t'emmène. Comme ça. Sur le refrain. Sur le refrain uniquement, c'est lucide. Parce que là il va y avoir 9 mots à retrouver. Et c'est du costaud. 9 mots pour. Est-ce qu'on peut passer au moment où elle se fait éliminer direct? C'est parti pour Lucie. Le gars full sadique. Oh mon dieu, y'a Capi qui est passé par là. Magali perd sa moustache, c'est pour ça. Restez concentrés. S'il y a des commentaires sur la vidéo, parce que c'est celle où elle part, donc 0 commentaire, 43 vues, c'est scandaleux. Ça n'a pas le succès que ça mérite. En même temps, ça a été upload de 3 jus. Ça a été upload hier. Putain, j'ai du bol. Putain, la semaine passée, j'aurais pas trouvé. C'est pour ça que j'en trouvais pas l'autre fois et que là j'en trouve plein. Ça a été... Putain, il a upload hier 10 000 émissions d'un coup, c'est dingue le gars. On a de la chance, hein! Faut profiter tant que la chaîne elle est encore là, je vous le dis! Hein. Parce que la chaîne elle va peut-être être partie demain! Par contre, la chanson, on est d'accord qu'on s'emmerde. Joli! Même s'il y a eu une petite improvisation après, mais pas au moment où vous avez donné les paroles. En tout cas, il me dit que je suis celle juste faite pour ses bras. On a vu votre papa très concentré pendant cette chanson, il est extrêmement concentré, il envoie des bonnes ondes. Et ça veut dire que l'autre adversaire, elle va carburer, quoi, Anaïs. Elle va carburer, hein. Oui. Tout va bien, et papa est content. 50 points pour Lucille, Anaïs, 10, 20, 30 ou 40 points, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Je vais prendre Gérald de Palmas pour 30. D'accord. Ouh, de Palmas. Un choix tactique. Avec l'excellent de Palmas sur la route. J'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu le doute en toi s'immiscer. Ou au bord de l'eau. Encore Christophe Maé. Qui m'appelle. Elle me trouve au bord de l'eau, sur la route, que voulez-vous? Sur la route. Sur la route, allons-y, prenons la route. 5 mots sont à trouver, 30 points sont à marquer. Faites du bruit, c'est Anaïs en voiture. Entre toute autre chose, j'aurais dû m'arrêter faire une pause, mais j'étais trop pressée. Aurait-on pas pu attendre un thé? Erreur fatale. Car j'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu le doute en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées. Ouhouhouhou. Sainte journée,
Je n'ai pas eu le doute en toi, si mais c'est... Elle est pas mal celle-là. T'as envie d'en réécouter là des chansons de qualité. Jusqu'au bout, la dernière note. Je me noie dans un verre de larmes. Est-ce que vous bloquez ou pas ces paroles? Est-ce que vous les changez? Je bloque ces paroles. Ah, le verre des larmes de Lucille. D'ici 10 minutes. J'espère que vous avez hâte. Bien, joli match, joli score. Pour l'instant, 30 pour Anaïs, 50 pour Lucille. Que voulez-vous, 10, 20 ou 40 points? Je vais prendre avec le verre blessé pour 40 points. Vous avez le choix entre... Encore Christophe Maé. Mais c'est pas... Mais c'est pas possible, Christophe Maé. Faut arrêter. Autre titre avec laissé dans le titre, justement, Laissez-moi danser, Dalida. Laissez-moi danser, laissez-moi... Laissez-moi danser ou j'ai laissé, laquelle des deux vous inspire? C'est quoi cette position de danseuse? Je vais prendre Laissez-moi danser. D'accord. Oui. Ça tombe bien. Oui. Laissez-moi danser. Monday. Tuesday. Day after day. Ta-da-ta-da-ta-da. Oh, il y a de l'anglais là-dedans. Ça va être drôle. Tuesday. Day after day. Life slips away. Moi, je vis d'amour et de danse, je vis comme si j'étais en vacances, je vis comme si j'étais éternel, comme si les nouvelles étaient sans problème. Je vis d'amour et de rire, je vis comme si il y avait un radio, je vis. Déjà ? Non, faut continuer. Da 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 da. Laissez-moi danser, laissez-moi danser, chanter en liberté tout l'été. Laissez-moi danser, laissez-moi aller jusqu'au bout du rêve. Solo. Heureusement que c'était pas la même chanson, hein, parce que ça s'est arrêté relativement vite, vos paroles. Au bon moment. Je vis comme si il y avait rien à dire. Est-ce que c'est ça, monsieur Caféine Echo, qui a l'air d'adorer Dalida? Oui. Eh ouais, c'est bien un Y qui vient se glisser comme ça dans la phrase. Ok, pas de problème, Lucille. 90 points, c'est le maximum. Anaïs, je sais bien que ça peut paraître énorme, mais vous, vous avez déjà 30 points. Ça veut dire que la chanson, on arrive à 50. De la même chanson, elle va la carburer à Anaïs. C'est terrifiant. Voilà. Faut rien lâcher. Le retour de Saint-Jean, oui, Lecomte, oui, retour... et le retour de Lecomte. Salut Lecomte. J'espère que tu vas bien. Je vais tenter les années 70 pour 20 points. Les voici donc. Bonjour, comment ça va depuis le temps? On est en train de regarder la version française de... Bah de Don't Forget the Lyrics, hein, finalement. Ban le compte, d'accord, les... Amusez-vous. Ou Claude François. Claude François. Oh oui, c'est Claude François, c'est vraiment mon frère, c'est la même... Même chanson, oh oui, et Claude François. Toutes les lèvres, non. Ah, il est rayé, en fait. Il se fout de nous. Clo-clo rayé. Un clo-clo rayé. Et là, les paroles qui manquent, c'est toi, tu n'es plus là, et ça le met vraiment. Mais je sais pourquoi ça raye. C'est parce que les paroles qui manquent, c'est la suite du refrain, donc ils peuvent pas les mettre, sinon ça va lui spoil les paroles. Donc ça fait boucler. C'est pour ça. C'est la même chanson, mais... Clairement, ce stream va faire du bien. Ah, viens, viens, Lecomte, viens. Ici, on se fait du bien à la santé mentale. C'est la même chanson, Anaïs. Allez, Claude François. C'est la même chanson. Oui, Claude François.
Ah, deux streams de deux réacts de N'oubliez pas les paroles, deux chansons de Clo-Clo, on est vraiment gâtés. Ces mots-là, ça paraît trop simple. Ah merde, c'est pas ça. Et puis c'est mon histoire, ces mots-là. Et un peu de musique. La chanson que tout le monde veut chanter un soir. Ce soir, cette mélodie qui vivait autrefois, oui, c'est la même chanson. Mais la différence, c'est que toi, tu n'es plus là, oui, c'est la même chanson. Mais la différence, c'est que toi, tu ne m'entends pas. Oh non! J'ai pas entendu. Tu ne m'entends pas. Ah, c'est pour ça que j'ai pas entendu. France, oui! Une heure d'éteindre de merde sans jamais. Parfait, le con, parfait. Chanson, mais la différence, tu ne m'entends pas. Toi, tu ne. M'entends pas! D'accord. T'entends bien, c'est du genre. Ah, tu ne l'entends pas? Ah non! Bloquez ou pas ces paroles, vous changez avant de bloquer, que faites-vous? Je ferai une erreur sur. Je pensais que c'était ne m'entends pas. Oh! Je suis mort à Claude Chansoué! C'est terrible! C'est terrible! Je pensais que c'était tu ne m'entends pas, moi qui disais! Ah, c'est terrifiant! Ce qui se passe sur ce plateau. Lucille, je rappelle, va chanter une chanson. Anaïs va chanter exactement la même chanson. Il faudra aller le plus loin possible. Chaque mot trouvé lorsqu'il est en jeu. Ah là, la hype de Clo-Clo, elle est descendue direct, là, je te le dis, là. Un point de plus à leur compteur. Elle a un petit Christophe Maé comme même chanson, là. L'avez-vous déjà chanté? Oui. Les démons de Minitrem. Oui. On l'a déjà eu la dernière fois quand Laetitia était là. Hein. On l'a déjà eu la dernière fois. Hein. Les démons de Minitrem, hein, n'est-ce pas, avec les sous-titres, les fameux sous-titres qu'on n'a pas ici, hélas. Alors là. Rue déserte, dernière cigarette, plus rien ne bouge. Elle fait peur quelle que soit la couleur qu'a fait une écho. Juste un bar qui éclaire le trottoir d'un néon rouge. J'ai besoin de trouver quelqu'un, je veux pas dormir. Allez, corne. Ah, corne, c'est censuré. Harcèlement, corne. À mettre. Oh, c'est ça, c'est que, ouais, vous avez corrigé toute seule, ouais, c'est à mettre dans mon cœur. Libérons Anaïs, attention. Oh, c'est terrible. Oh, c'est terrible. Oh, c'est pour ça. Elle a glissé. Elle a glissé, Lucille. Regardez, le score obtenu par Lucille. Elle a glissé. Boîte à conne. Belle conne verte en tout cas. Points. Alors attendez, on va faire un truc, c'est accessoire maximal. Bougez pas. Ça vous aide à deviner quelle chanson elle va chanter ou pas? Les démons de minuit. Le diable. Alors vous savez pourquoi elle peut le porter? Le discours du diable de Jacques Brel. Ah non, c'est pas ça, merde. C'est vrai qu'on n'a jamais entendu Jacques Brel dans cette putain d'émission, Adam. C'est triste. On a bien entendu Maï de Stromae de merde. Je suis pas un vrai animateur. Il faut aller le plus loin possible et donc avoir 40. Je rigole, hein, Stromae, il fait des belles chansons quand même. 40, mais c'est juste que démon de minuit, c'est peut-être possible, c'est gosse, même largement possible. C'est Anaïs. Allez. Comparé à vrai. Voyez là. Hein. Allez YouTube la cloche, hein. Vous êtes hype, hein. Rue déserte, dernière cigarette, plus rien ne bouge. Juste un bar qui éclaire le trottoir d'un néon rouge. J'ai besoin de trouver quelqu'un, je veux pas dormir. Vous allez comprendre ce qui se passe quand on a la cloche du coup. À mettre dans mon cœur. Il m'entraîne au bout de la nuit. Les démons de minuit m'entraîne jusqu'à l'insomnie. Elle aurait pu s'arrêter là et ne pas commettre le deuxième couplet comme 90% des êtres humains. Mais non.
la cloche YouTube. Bientôt le verre de larmes de sel. Non, ça va, elle le prend bien. En même temps, elle a gagné 200K. Donc là, de ce que j'ai vu dans l'interview, elle était déçue d'avoir perdu. Au bout d'un moment. M'entraîne jusqu'à la samedi. Allez, fantôme de l'ennui. C'est trop rose. Je veux changer la couleur, hein, mais je pense qu'en vert, t'aimes ça, le con. Ouais, mais c'est bon, là, il répétait le refrain, c'est bon. Mais c'est vrai que tu vois que c'est de la chance. Suffit que tu tombes sur une chanson que tu connais par cœur, c'est ta chanson de cœur, et t'éclates le maestro, quoi. Parce que ça donne tellement de points de gagner ces chansons. Check ça, elle a gagné 109 points d'un coup. Encore cette séquence dans cette émission, c'est-à-dire le roulement de tambour et le changement de propriétaire de micro. Anaïs est la nouvelle maestro. Alors rebaissez le son maintenant parce que bon. Bon, ça paraît qu'il est gentil. Lucille. Amour et rock, amour et rock'n'roll. Oh, cette version. Lucille. Eh, hey, c'était l'arme de joie, hein. Ouais, c'était l'arme de joie. Ouais, ouais. 102 000 euros, c'est juste le truc le plus dingue. En plus, vous me disiez, il n'y a pas si longtemps, moi, si je partais avec 5-10 000 euros, ça serait déjà formidable. 202 000 formidable. Euros. Formidable. Je suis victoire. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Qu'est-ce qui se passe dans votre cœur, maintenant? Dans ma tête, je peux parler un peu? Je vous en prie. Je voudrais juste dire. Dans ma tête, il y a des tas d'oiseaux. Dis-toi en quel rêve on a réalisé. Moi, mon premier rêve que j'ai réalisé, c'est de venir à cette émission avec vous. Voilà, participer à cette émission. Parce que cette émission, elle est énorme. Je pense que sans vous, cette émission ne serait pas pareille. Avec des musiciens très talentueux. Les gens qui sont derrière, qui nous chouchoutent, qui nous dorlent. Non, non, on n'a pas le temps là. On a une demi-heure là. Let's go. Et je suis très heureuse. J'ai pris beaucoup de plaisir. Et je pense que. Je pense que cette émission m'a fait évoluer aussi, quoi, personnellement. Et voilà, c'est que du bonheur, quoi. Eh ben, ces 202 000 euros vont sûrement vous faire du bien. Je rappelle que vous êtes étudiante en STAPS, future professeure à la rentrée prochaine. Et elle les a réussi. Elle est prof en 2020, là. De toute façon, les bonnes ondes sont avec vous. Vous allez partir, sûrement faire un tour du monde, sûrement faire des cadeaux. Le puis message, après, elle a investi dans un appart. Le message que je veux refaire passer et que vous avez fait passer, c'est que face à l'adversité dans la vie, soit les refus de participer à une émission, il faut se battre et revenir et se représenter, soit d'apprendre la pire des nouvelles, c'est-à-dire avoir un cancer et en l'occurrence une leucémie. Vous vous êtes battu contre cette maladie, vous n'avez rien lâché et vous avez su la vaincre. Et le message que vous avez passé et que vous allez redire, c'est d'encourager chacun d'entre nous à faire quoi? Le don du sang, des plaquettes. N'oubliez pas. Ça sauve des vies. Et Lucie est là et on est la preuve. Et regardez cette vie, ce sourire, cette santé qu'elle a maintenant. 202 000 euros. Il est où, papa? Il est là. Allez, papa, il a été là tous les jours. Papa! Ah. Elle a été forte, hein? Ouais, très forte. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Parce que. C'est un moment bien particulier qui se passe là. C'est un moment très fort. C'est, comme elle a dit, c'est une joie énorme, je pense, pour elle. Je voudrais juste dire qu'il y a son grand frère qui est là aujourd'hui, qui est venu là. Ah bah qu'il vienne, il est où le grand frère? Ah bah viens là, le grand frère. Frangin. Pascal, le grand frère. Je savais pas que vous étiez là. Bienvenue. Oh, quelle magnifique chemise rose. C'est du frangin, j'imagine. Très bien. À moins que la famille soit agrandie encore. Alors, je vous redonne le micro. Donnez-lui le micro, laissez-le parler, papa. Justement, je pense que. Ouais, elle avait ça au fond d'elle en se disant il y a un moment ça va s'arrêter. Et voilà, l'erreur d'inattention. Mais bon, c'est rien, elle a rien lâché, elle a montré. Et vous venez quand vous voulez surtout. Hein. Vous revenez quand vous voulez. Faites, vous avez dit, hein, faites partie de la famille maintenant. Hein. Vous revenez quand vous voulez. Ah bah, il la réinvite. Hein. Trop fière, il y a le duel des maestros. Je sais pas si je vais le voir par exemple en 2020-2021. Et elle est dedans. Fait vibrer,
franchement, c'est génial, j'ai même plus de mots. Et puis, bah, il n'y a plus qu'une réussite derrière, c'est devenir enseignant. Hein bah, bah, il va réussir. Faut retourner au boulot, faut retourner au boulot surtout. Je vous fais des noms. Bon, vous avez 200 000 balles, là, c'est bon, ça aurait été tout. Et voilà. 202 000 euros et vous avez marqué l'histoire de cette émission. Et personne ne vous oubliera. Ah, bah non! Même encore en 2022 aujourd'hui, voyez ça, Lucille. On est là pour, on pense à vous encore. Et oui, ça a été vraiment un hasard de tomber sur elle, hein, merci, cela dit. Santé à toute la famille, merci, bon retour. 202 000 ah, c'est terrible. Couper une couverture en deux. Bon allez, on va maintenant voir Anaïs. C'est vous, maintenant vous avez la pression. Oui, et là, elle gagne zéro. Vous avez battu la plus grande de toutes les championnes et de tous les maestros. Mais maintenant, il faut gagner 203 000 euros. Oui. Faut, ah bah, ouais, ça va, vous la détestez pas. On va commencer avec 1 000 euros. Regardez, 1 000 euros si vous me donnez deux mots d'une chanson. 2 000 euros plus deux mots encore. Puis 5 000 euros plus loin dans la même chanson. 10 000 et puis la totale. Anaïs, qu'est-ce qui vous ferait plaisir entre Johnny 100% ou Daniel Guichard, mon vieux? Oh bah c'est juste une erreur un peu conne, c'est vrai. Le démon de Minimi, quoi. Ah d'accord. Ah le con, c'est vraiment spécial. C'est spécial. Pour démarrer, et rappelez-vous, Lucille avait commencé aussi avec 6 000 euros. Peut-être qu'avec Anaïs, ça va être la même histoire. Qui sait? Beau roman, la belle histoire. C'est quoi la chanson? Ah oui, je la... Il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux, mon vieux. Ouais, on me dit quelque chose. La graine. Mon vieux. Je bloque ses paroles. Oh, elle commence là, c'est bon. Let's go. Parfait, 1 000 euros. Allez, 1 000 balles. Oh, on gagne vite de l'argent dans ce jeu là. Je vais tenter 2 000 euros. Allez, Anaïs, connais la chanson. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça le conte, c'est tout à fait ça. J'ai voulu en regarder une la dernière fois, mais j'en trouvais qu'une seule sur YouTube. Donc on l'a regardé et voilà. Mais ça a duré un an au Québec, mais là ce truc-là il existe depuis depuis 2006 je pense, en France. Il prenait le joker des initiales. Le vieux. Alors, c'est un E accent aigu, DGS. Je pourrais avoir la phrase juste avant, s'il vous plaît. Le soir, en rentrant du boulot, il s'asseyait sans dire un mot, il... Il était... Je ne sais pas. Non, non. Il était dans... Il était du genre silencieux. Ah... Zéro balle! Du genre silencieux. Bon, et c'est pas grave, elle a en tout cas battu la plus grande. Zéro balle! Peut-être que demain elle sera plus là, hein. Ça qui est triste! Zéro balle! Lucille est partie avec 202 000 euros. Jamais personne n'a gagné une telle somme. En tout cas, dans les jeux que j'ai eu la chance de vous présenter sur France 2 et encore plus. Bon, en même temps, avec les jeux de Scriptman, tu deviens richissime. Mais Scriptman, c'est le script, quoi. Donc, il n'y a pas vraiment de. 18h50, bonne soirée sur France 2. Ciao, ciao, ciao. Enfin, après, j'exagère aussi. Les personnes sont très, très douées en tant que telles, mais. Mais voilà, quoi. Bon! Bah voilà! Bah, c'est fini, je pense qu'il est 21h35. Oh, je pense qu'on est bien, là. Je pense qu'on est bien, on a fait que du n'oubliez pas les n'oubliez pas les paroles, oui tout à fait. Je vais voir si il y a le duel des n'oubliez pas les paroles, duel maestro 2021. Je vais voir s'il est là. Le tournoi des maestros 2021. Alors il existe, il est là. Il est là. Mais c'est juste des morceaux.
Attends, avril 2021. Ah oui! Oh, je me souviens de cet enfer. Bon, il n'y a pas les émissions entières. En fait, je pensais que c'était une émission qui durait genre 2 heures où il y avait, bah, tous les maestros qui se retrouvaient. Mais non! Ça dure pendant un mois le truc! Pendant un mois, t'as plein de maestros qui viennent et ils gagnent des points. Et au final, à la dernière semaine, ceux qui ont accumulé le plus, ils reviennent pour faire des huitièmes, des quarts de finale, etc. Ça dure à l'infini. Ce truc dure à l'infini, en fait. J'avais oublié. La fureur, je sais pas c'est quoi la fureur. J'ai réactivé une émission que j'ai connue quand j'étais petit, le compte, sauf exception. Ah, mais en même temps, j'ai pas l'impression que je les trouverai. J'ai pas l'impression de les avouer. Hein. J'ai pas l'impression de les avouer. Bon, j'ai pas l'impression de les avoir. En fait, c'est juste des extraits sur la chaîne que j'ai là. C'est juste des extraits de 1-2 minutes, mais pour une émission. C'est ça. Ou bien on regarde la finale, quoi, en tant que telle, hein. Mais elle dure, c'est pareil, j'ai pas l'émission entière là, c'est juste 3 minutes. À moins que ça dure vraiment 3 minutes. Mais ça m'étonnerait. Oh putain. On les voit tous là, on les voit tous, je te le dis, moi il y en a des que je connais. Oh mon dieu, c'est en HD le machin? Ah ouais, 1080p. Ah waouh, je suis choqué! Je suis tellement choqué! Eh, c'est en anglais, hein, visiblement. Voilà, et ça finit comme ça. Tiens, connard! C'est dommage. C'est dommage. Ouais, non, j'ai pas les émissions entières. Ah ouais, c'est juste des chansons uniques. Genre là. Oh, il a vieilli! Oh my god! Attends, je regarde la danse après, Lady. Regardez ça! Nagiman, regardez Nagiman, regardez ça! Oh! Oh! Oh, il s'est passé! Il s'est passé 5 ans! Oh, il a vieilli! Oh waouh! Oh waouh! Ah ouais? Oh, il a vieilli. Vous filez au deuxième rendez-vous de ce tournoi des maestros. C'est le quatrième tournoi de l'histoire des maestros. Voilà. C'est celle que j'ai faite en karaoké la dernière fois? C'est fou. Voilà. On n'a pas besoin de The Voice, les dinosaures. Cette émission fait l'affaire. Enfin. Monsieur Jean-Luc. Ah mais c'est pas des chants. Attends, c'est des concerts là, ils font pas de chansons là. Je rêvais d'une autre terre. Ah, il monte haut, hein. Ah, il arrive à mon octave, hein. Bravo. Une terre, moi terre à terre. Alors, elle est où, Lucille, là? Elle est où, Lucille? Est-ce que vous la voyez, Lucille? Peut-être qu'elle est pas là, peut-être qu'elle est pas dans celle-là. On l'a vu au début. Ah. Mal idée! Voilà, en gros, ça ressemble à ça, mais c'est juste des chansons. Que s'est-il passé? Ah oui, on la voit dans le trailer. On la voit dans le trailer. Elle est là. Voilà.
Ah, on les voit, hein. 5 ans. 5 ans de passage, quand même. Mais est-ce que je vais y arriver? À 5 ans de passage, quand même. Alors, elle a toujours des yeux qui font peur, ça n'a pas changé. Mais ouais, à 5 ans ont passé, quoi. Ça fait toujours marrant de voir les gens vieillir. Parce que là, c'est avril 2022, ça a été fait là. Là, il y a deux mois, cette émission existe encore, c'est ce que je disais, c'est extraordinaire. Le truc existe, quoi. Quand on ira en Belgique, Lady, on pourra l'écouter sur France 2, en réel. C'est extraordinaire. Allez, voyons voir la chanson de Lady Dinosaur. En live. La Fureur. La Fureur vous est présentée par Bon. Regarde la danse. C'est où la danse? C'est où la danse? Allez dans le public. Partage-nous le vidéo. Oh. Tiens. C'est au début. D'accord. Bon, on regarde juste la danse. Hein. Jack. C'est bon? Vous ne pouvez pas résister à la fureur. C'est pourquoi Fruité ne peut résister à vous la présenter. Il y a des sponsors, hein. Mais au Québec, vous avez des émissions de fou. Hein. Les gars ont gagné les 6 dernières à la fureur. Les gars, un repère, une 7ème. Je connais pas du tout cette émission. C'est comme gagner le gros lot. Ça change pas le monde. C'est-tu l'équivalent du Big Deal? Vous êtes si flou. En tout cas, comme toutes les émissions du Québec, ça invite des stars pour avoir de l'audience, hein, ça change pas. Linda Malo et Charles La Fortune à la fureur. Ça donne mal au cœur. Oh, c'est bon. Et voici c'est tout celle qui revient du Capitole. Son nom est fini. Au Capitole pour célébrer la 50e de la fureur. La voici, Véronique Loutier. Je ne connais pas ces personnes. Oh! Incroyable. En tout cas, c'est un générique long. Est-ce qu'il dure à chaque fois 1 minute 40 le générique de cette émission ou on s'en sort plus? À chaque émission, c'est long de même? Ah ouais. Enfin, en même temps, classique danse de la fureur. D'accord. Ça dure une heure. Mais vos émissions au Québec, elles durent une heure. Hein. On connaît la chanson, ça durait une heure aussi. Mais là, au moins, c'est une heure en un morceau. C'est déjà mieux. Bah voilà. Bah écoutez. On s'est bien amusé. Le long des golfes clairs. Ah, des reflets d'argent! Pourquoi j'ai le logo de Zelda Games en haut? Je l'ai pas enlevé depuis la dernière fois. Voilà. J'ai fait un retour dans le temps d'un épisode récemment et c'était cool. C'est les gars contre les filles et c'est une émission de karaoké. Ah! Oh! Je sais pas si j'accrocherai par exemple. Comme je dis, j'ai pas d'affect nostalgique avec ça, donc je sais pas. Bon bah voilà. Est-ce que vous voulez qu'on continue les dinosaures ou bien c'est bon, vous me libérez? Non, continue ton live. Oui. Je continue, ok. Puis les... Bah, j'aurais bien regardé le duel de 2021, mais je l'ai pas trouvé. T'as un beau cocatiel, ouais. Et moi, je suis encore là. C'est vrai, le compte est encore là. Mais je sais plus, mais je commence à tomber à court sur ce qu'on veut faire. Ce qui est sûr déjà, c'est que le temps fort, on le cut ici. On va pas se faire avoir comme la dernière fois, là. Au revoir temps fort, au revoir YouTube. N'oublie pas la cloche. Très importante, la cloche. Et abonne-toi à Zelda Games.